précédemment dans Comment devenir maître du monde. Donnez-moi le réplicateur digital. Le... avec les doigts? Ne discutez pas! Le réplicateur, bip! Vous remarquerez, colonel, que je me suis invité à votre bord sans beaucoup de vêtements d'une part et sans le moindre bagage d'autre part. Je vois pas où je pourrais cacher quelques réplicateurs que ce soit, avec ou sans les doigts. Vous le connaissez bien, vous? Qui ça? Dupont de l'Alma? Pas particulièrement. On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, ça c'est sûr. La Global Corporation, c'est une mine d'or. La plus grosse multinationale de la planète. Hein. Mon colonel, veut-il que je le laisse tout seul, mon colonel? Oui, mais restez dans les parages, Romero. Au cas où la situation nécessiterait intervention. Je reste à votre disposition, mon colonel. Mais comment est-ce possible, Gaëtan? Je ne saurais dire, mademoiselle... Le plan était méticuleusement tracé. Rien ne devait l'entraver. Et voilà que vous me dites que le colonel a eu vent du stratagème. Eh bien... Comment est-ce possible, Gaëtan? Toutes les précautions n'avaient-elles pas été prises? Eh bien, justement, mademoiselle, elles avaient toutes été prises, mais par d'autres que nous. C'est pour ça qu'il ne nous en restait pas. Qu'est-ce que c'est, Étiennette? Mon colonel, on vous demande à la radio. À la radio? Pas question de passer à la radio en ce moment. Dites-leur que je refuse toute interview. Elle est où la planète des maîtres du monde? Ah, ça c'est beaucoup plus loin, c'est pas par là du tout, non. Au télémacroscope, on peut presque la voir, hein, lors du solstice de Brunhoof, hein, quand les vents solaires viennent du dernier quadrant. Mais la plupart du temps, c'est même pas la peine d'essayer, elle n'existe plus. Et c'est pour une planète qui n'existe plus que vous nous cassez les... que vous vous donnez tout ce mal au brin frisé? Ah, mais la légende fondatrice, c'est sacré, les filles, hein. Vous comprendrez plus tard. Ouais, on comprendra, vous êtes sûr? Si je vous le dis. Peut-être, mais si ça se trouve, lui, c'est où il va. Et tu sais, à mon avis, Bibi, il vaut mieux le suivre. Ah ça oui, ça c'est sûr, hein. Parce que sans GPS, on n'ira pas très loin. Ouais, il peut parler, lui. Avec son module de propulsion linéaire intégré, il a même pas besoin de marcher. Ouais, t'as raison, c'est pas lui qui se fatigue. Ah, bah ce serait pas de refus, vieux crabe, hein. Bon, alors d'accord, on va s'arrêter un peu, là. Je pense que c'est un bon coin par ici pour le pain d'épices. Oh, vous croyez, vieux crabe? Si je vous le dis. Regardez, il y a des traces d'esticots des sables un peu partout. Ça veut dire que le pain d'épices est pas loin. Ben voyons, je le vois venir, moi. Qui c'est qui va encore creuser pour le pain d'épices, là? Eh ben, c'est vous, les filles, bien sûr. Vous voulez quand même pas que j'encrasse mes circuits électrolytiques? L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Mademoiselle Obi, Abby Le Fanou, Joséphine Becker, Mao, Monsieur Obi, Laurent Doucet, Grincheux, Pays, Sevoltz, Nelson, Ran Madsen, Romana, Didier, David, Exo, Hervé Coiral, W Radion, Jean-Seb, Eve, Didouille et Walter Proof. Livre 3, La douille dans le cottage. Leçon 1, tes alliés, tu consulteras. C'est bon, les filles? Ouais, c'est très bon, oui. Ouais, c'est du pain d'épices, quoi. Faites pas la fine cavité buccale, hein. C'est excellent pour la santé, le pain d'épices. Et ça permet de vivre très vieux, en plus. Ah bon? Mais vous avez quel âge, vous, par exemple? Oh, moi, tu sais, ça fait déjà plusieurs centaines d'années que je compte plus. Ah ouais? Ils vivaient très vieux, les maîtres du monde, autrefois. Ah, oh, mais beaucoup moins que nous. Sur la planète originelle, le temps passait bien plus vite. Et il y avait aussi beaucoup plus d'occasions d'abréger les vies humaines. Mmh.
c'est pas possible. On ne peut pas en rester là. Enfin, il doit bien y avoir un moyen de retrouver ce réplicateur machin chouette. Je suis bien le maître du monde, après tout. Oui ou non ? Etiennette, je suis le maître du monde ou pas ? Mais oui, colonel. Bien sûr, vous êtes le maître du monde. Évidemment. Bon, alors, convoquez-moi tout le monde dans la salle du conseil. Tout le monde, colonel ? Oui, tout le monde. Tout de suite ? Tout de suite. Dans la salle ? Oui, Etiennette, tout le monde, tout de suite, dans la salle du conseil. Il faut que je vous envoie un fax aussi ? Non, non, colonel, non, non. Je convoque tout le monde, tout de suite, dans la salle du... Non mais des fois... Mais c'est qui le maître du monde ? Oui, c'est moi. Ruffin ici. Je t'avais dit de pas m'appeler. Qu'est-ce qui t'arrive ? À moi ? Rien. Mais il se passe des choses. Ah bon ? Quel genre de choses ? Des choses... Des choses, quoi. Ah, je vois. Non, je me suis dit que ce serait quand même bien que tu sois au courant. Oui. Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi faut que je sois au courant ? Mais tu vois, comment... Moi, en tant que première gâchette du colonel, et toi, en tant que première gâchette de... comment tu l'appelles déjà ? Anisette Mandalo. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit que si ça devait se gâter, faudrait pas... Enfin bon, tu vois. Mmh. Je vois très bien. Mais pourquoi ça se gâterait ? Mais écoute. Parce qu'il se passe des choses. Ah oui. Oui. Des choses. Voilà, des choses. Bon, écoute Ruffin, hésite pas à me rappeler, hein, s'il se passe quelque chose d'autre. J'hésiterai pas. Même si c'est pas grand-chose. D'accord. Parce qu'on sait ce que c'est, les choses. Oui. Une petite chose peut en amener une autre, hein ? C'est ça. Ruffin ? Quoi ? Pourquoi tu m'appelles en fait ? En fait, bon, faut que je te dise là, faut que je t'avoue un truc. J'avais peur que l'épisode soit un peu trop court. Ah, d'accord. Juste un café, merci. Et pour vous, un café, s'il vous plaît. Un diabolo à rançon. Monsieur, café, vous sera bien ? Non, plutôt une choucroute de vernis, si vous avez. Bien. D'abord, merci à tous d'avoir répondu à mon invitation pour ce conseil de guerre exceptionnel. Je sais que certains d'entre vous viennent de loin. D'autres ont dû interrompre leur sieste. Merci à tous. Puisque c'est la première fois que je réunis l'état-major au complet, tout le monde ne se connaît peut-être pas, alors nous allons faire un tour de table, rapide, pour permettre à chacun de se présenter. Otto, si vous voulez bien commencer. Eh bien, Otto von Tamponneuse, savant fou. Je suis Don Perigno. Je représente la famille de New York. Venez de Corse. Je représente ici la famille d'Hong Kong. Johnny Bigood, de la famille Bigood. Carmine Carpaccio, dit le Belge, et je suis responsable des jeux. Bébert le dromadaire, responsable de la prostitution. Justine Tidgout, responsable de la misère du monde. Gilles Duchnouf, responsable du rayon Layette aux galeries Farfouillette. Wilfried le Suisse, dit le Suisse, chargé de la Suisse. Maxence Clafouti, chargé de tous les péchés du monde. Gaston le mec, spécialement attaché à la direction commerciale. Dédé le palafré, spécialement attaché à sa chaise. Parce que sinon, je me blesse.
Raymond Schmoldu, spécial. Oui. Bon, ça va. On va s'arrêter là. Sinon, on ira encore demain matin. Bien, messieurs. Dames. Oui. Messieurs, dames. Si je vous ai tous convoqués ici, à bord du Krabowitz, pour ce conseil de guerre exceptionnel, c'est que la situation est grave. Bien sûr, ce n'est pas la première fois, je sais. Nous avons déjà dû faire face à des problèmes cruciaux par le passé. Plusieurs fois, notre empire a failli s'effondrer, notamment lors de la grande grève des gardiens de square de 1903. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent encore. Oh là là, oui, alors. Eh bien, moi, pas du tout. C'était quoi, cette... Bref, cette fois, messieurs... Dames. Oui, messieurs, dames. Cette fois, disais-je, l'obstacle qui se présente à nous est d'une taille nettement supérieure. À tel point que même mon brillant cerveau n'a pas pu le surmonter. C'est pourquoi j'ai dû me résoudre à faire appel à vous, tas d'andouilles. J'attends une idée. Oh, une idée ? Rien que ça. Une idée, c'est facile à dire. Oui, Otto, une idée ? Eh bien, c'est-à-dire que je me disais comme ça. Pourquoi on ne torturerait pas encore un petit peu Anicette ? Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Pourquoi c'est toujours les filles qu'on torture ? Voyons, voyons, on se calme. Oh, pardon. Mon cher Otto, votre idée, aussi sexiste puisse-t-elle paraître, votre idée ne serait pas totalement absurde si la jeune personne en question ne s'était pas déjà fait la malle. Quoi ? Vous voulez dire qu'elle s'est encore échappée ? Bah tu m'étonnes. Parce que tu crois que j'ai que ça à faire, moi ? Rester enfermé dans une cellule, j'ai déjà donné. Grâce à l'épingle à cheveux que m'avait légué le brave Saint-Germain... Voir saison 2. J'ai crocheté vite fait bien fait la serrure de ma cabine. Et me voilà en vadrouille sur le Krabowitz. Je me demande d'ailleurs si je me serais pas un peu paumé quelque part à un moment donné ou à un autre. Parce que c'est une sacrée ville flottante, ce porte-avions. Messieurs, dames, je veux dire, on se calme, sinon on va pas s'en sortir. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça suffit, j'ai dit. Oh, pardon. Inutile de tergiverser davantage. Je sais même pas ce que ça veut dire, alors. Chers amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Jusqu'à présent, j'ai toujours cru qu'à vous tous... Vous étiez parfaitement incapable de la moindre suggestion qui fit preuve d'une quelconque parcelle de bon sens. Eh bien, je dois reconnaître, à ma grande honte, que j'avais parfaitement raison. Si quelqu'un a encore une ânerie du même genre à sortir, on va les grouper, ça ira plus vite. Oui, pardon. Patron, si je peux me permettre... Permettez-vous, Maxence. Eh ben, avec les camarades, on s'est mis d'accord sur un truc. On s'est dit comme ça que si la situation, elle est si tant grave que ça... Eh ben, pourquoi on se mettrait pas tous d'accord sur un truc pour tâcher moyen comme ça d'arranger un peu les choses, quoi. Plutôt que de laisser l'affaire partir comme ça en autre boudin, hein. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit comme ça. Maxence, mon petit Maxence. Quand on n'attend rien de vous, on peut être sûr de n'être jamais déçu. La motion est mise aux voix. Qui vote pour ? Votre Excellence, puis-je me permettre d'ajouter un codicille à la motion ? Faites, je vous en prie. Eh bien, dans le cas où le plan proposé se révélerait inefficace, voire désastreux, son auteur emporterait seul la responsabilité. Voilà qui me semble judicieux. Qui soutient la motion ainsi amendée ? La motion est adoptée à l'unanimité. Maxence, vous me remettrez un mémorandum détaillé sur les moyens à mettre en œuvre. Bien, notre maître. Je vais à toute vapeur. Wilfried, vous veillerez personnellement à l'exécution de chacune des instructions. À vos ordres, votre Excellence. Don Pérignon, dès votre retour à New York, vous allez réunir votre famille. Si. Et vous leur ferez mes amitiés. Ma perfectamente, patron. Quant à vous, messieurs, dames, je compte sur vous pour observer la plus grande discrétion à propos du contenu de cette réunion. D'ailleurs, je suis persuadé que vous n'y avez rien compris. Compris quoi ? Ça, pour certains, ça ne fait pas la moindre doute. La séance est levée. Excusez-moi, mon colonel. Je n'ai pas très bien saisi. À quel moment allons-nous torturer Anicette ? Non, mais qu'est-ce qui m'a fichu une pareille bande de bras cassés ? C'est pas ces incapables qui vont me retrouver le réplicateur digital. Avec le doigt, colonel ? Non, avec deux sucres, merci Étienne. Vous savez, colonel,
Je connais une personne qui n'a pas son pareil pour retrouver les objets disparus. Ah oui ? Oui, c'est une bonne amie à moi. Elle est très forte pour ça. D'ailleurs, elle a longtemps travaillé chez ma tante. Ah bon ? Chez votre tante ? Mais non, ma tante, le Mont-Piété, les objets trouvés, quoi. Maintenant, elle est à son compte. Elle a ouvert un cabinet de consultante. Mmh. Elle travaille pour les plus grands, vous savez. Des milliardaires, des hommes d'affaires, des collectionneurs d'art. Ah oui. Et elle est douée, votre amie ? Ah ça, oui, alors. Et elle fait dans l'occulte aussi. Dans le ? L'occulte. La divination, la communication avec les esprits. La magie noire, quoi. Elle a étudié avec les plus grands. Allan Kardec, Alison Dubois, Patrick Jen, Gérard Majax. Ah oui, quand même. Oui, elle est voyante extra-glucide. Extra-glucide ? Oui, elle lit l'avenir dans le mar de Bourgogne. C'est un peu lourd. Et elle est joignable, votre amie ? Comment s'appelle-t-elle ? Marcel Kébir. Mais je crois qu'elle est en vacances en ce moment, dans un manoir hanté quelque part en Écosse. Dans un manoir humide et lugubre avec un bon verre de ciguë en compagnie d'une demi-douzaine de spectres. Les vacances idéales, quoi ! Tiens, je me regarderais bien quelque chose, moi. Qu'est-ce qui passe dans ma boule de cristal ? Alors, l'exorciste, bon manteau. La maison du diable, ouais. The Shining, oh non, j'ai déjà vu ça. Ah, Rabbi Jacob et les extraterrestres. Enfin bon, moi, la science-fiction, c'est pas possible, ça fait deux. Alors, on continue. Arrigator et la chambre à coucher. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Des perturbations dans ma boule ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sens comme un trouble dans la force. Une disruption dans l'unité de l'univers ? Comme s'il manquait quelque chose quelque part ? Un espace vide dans la matrice fondamentale ? On dirait... Mais oui, je ne rêve pas, c'est bien ça ! Il y a une douille dans le cottage ! Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Entrez, entrez, qu'est-ce que je vous sers ? Un petit pastis ? T'as vu ça, John ? Ça, c'est de la cellule. Ah, oh, oui. Depuis que je suis ici, j'ai eu le temps de m'installer, comme vous pouvez le voir. Soldat ! Yeah ! Yeah ! Brave parmi les braves. Ivrogne parmi les ivrognes. Vous avez juré de sacrifier vos vies pour la cause. Eh bien, votre sire. Ces braves Petzouilles ne rêvent que d'une chose, pouvoir revenir vivre et travailler au pays, foi des lecteurs en marche. Ah, fichtre ! C'était Comment devenir maître du monde en 10 leçons ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bouffe. Avec Chacha, Mademoiselle Obi, Bibi, Abby Le Fanou, Vieux Crabe, Walter Proof, Le Colonel, Joséphine Becker, Étienne Nett, Mao, Ruffin, Monsieur Obi, Gaëtan, Laurent Doucet, René Le Corse, Grincheux, Justine Tite-Goutte, Pays, Gaston Le Maniaque, Sévoltz, Dom Pérignon, Nelson, Johnny Bigood, Ran Madsen, Carmine Carpaccio, Gromena, Bébert Le Dromadaire, Didier, Gilles Duchenouf, David, Wilfried Le Suisse, Exo, Maxence Clafouti, Hervé Quaral, Dédé Le Balafré, Nelson, Raymond Schmoldu, W Radion, Autophone Tamponneuse, Jean Seb, Anisette Mantello, Eve, Marcel Kébir, Didouille. À suivre.